Plein de personnes ont trouvé aussi agréable de revenir en centre-ville et de pouvoir se promener tranquillement dans toutes les rues qui bordent l'Opéra. Dans la rue Francis Tapsot, et c'est vrai que depuis quelques mois, on voit qu'il y a beaucoup de commerçants qui aimeraient bien s'y installer. Nous, on est ravis d'être là, et c'est vrai qu'on ne pensait pas quand on était arrivé en 2018 qu'on allait avoir cette chance-là d'avoir une rue toute belle. Plein de personnes ont trouvé aussi agréable de revenir en centre-ville et de pouvoir se promener tranquillement dans toutes les rues qui bordent l'Opéra. Je vais vous montrer, peut-être on verra mieux en vrai à l'extérieur. Les trottoirs ont été élargis, on est passé d'un trottoir qui faisait peut-être 1 mètre, 1,50 m. Vous voyez là, on a une place quand même qui est conséquente, qui nous a permis nous de pouvoir installer des terrasses. Bon, là on est en hiver, on n'a que 2 tables, mais en été on peut mettre jusqu'à une douzaine de personnes, ce qui est vraiment agréable vu qu'on a aussi une partie restauration à la boutique. Le mobilier urbain a été modifié, on a des bancs, ils ont végétalisé un petit peu également la rue. Les trottoirs avec la route, tout est plat, donc ce qui permet aussi de ne pas se casser la figure. La rue Grignan, pour beaucoup, s'arrête au croisement de la rue Saint-Féréol. Et après, ça continue pas forcément, parce qu'on savait que la rue n'était pas très attrayante au départ. Donc oui, j'espère que ce nouveau parcours piéton attirera beaucoup plus de passants et qu'on aura donc beaucoup plus de clientèle. Ce qui a changé, c'est que la rue est toute propre et toute pavée. Donc vous pouvez le voir, hein, y a de beaux pavés au sol et sur la chaussée. Et également des trottoirs qui sont un peu plus larges. Des poteaux qui ont été installés tout le long de la rue. Et aussi des jardinières qui ont été installées. Je trouve que c'est important d'avoir des plantes dans la rue parce que sinon c'est quand même un peu trop minéral. Ça fait du bien de voir des arbres, des plantes. J'ai tendance à mettre des plantes aussi dans mon magasin. Donc, je trouve que c'est bien d'en avoir à l'extérieur aussi.